Salam alaikum. On espère que vous allez bien. Il fait pas beau, il fait froid, ça y est. Il fait froid. Du coup, aujourd'hui, je vous prends pour une nouvelle vidéo motivation ménage. Je vais vous montrer l'état de mon appartement. Je vais vous l'avouer que ça fait une semaine, j'ai rien foutu. Parce que j'étais malade, j'avais mal aux dents, j'avais mal à la tête, j'arrivais pas. J'arrivais pas. Je suis pas restée au lit parce que je suis maman, mais si j'étais seule sans enfant, je vous jure que je bougerais même pas le lit. Mais j'essayais de faire des efforts, de ramener les enfants à l'école, à la crèche, je faire à manger, mais tout ce qui est ménage, rangement et tout, je vous avoue. J'arrivais pas. J'avais trop mal aux dents. J'avais trop mal aux dents. Et vous savez, j'essayais de prendre un rendez-vous chez le dentiste. Il me donnait un rendez-vous pour l'année prochaine. Pour en avril ou mai. J'ai dit, mais je suis rien. Je suis en train de mourir. Vous me donnez le rendez-vous de mois d'avril. Enfin, bref. Et du coup, là, on va se motiver pour faire le ménage. Je vais essayer de mettre des petites musiques comoriennes comme j'aime. Et on fait le ménage ensemble, quoi. On va se motiver, on fait tout ça. Voilà. L'état de l'appartement, regardez par terre. C'est la poussette. Quand j'ai monté la poussette de sa mère, ben, il ramène tout le saleté ici. Je vais voir si je pourrais changer le rideau. C'est trop long. Je suis trop petite et du coup, le chose, je sais pas. On va essayer. Je vais changer ça aussi, la nappe de canapé. Je sais pas, on verra. Et faire par terre, nettoyer et tout ça. Je vais vous montrer la surprise. Regardez ma cuisine. Je vous dis aujourd'hui, on se motive pour une véritable ménage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une grosse ménage. Regardez. Voilà ma cuisine. Tout ça, il faut que je lave par terre aussi. Regardez. Regardez, je vous montre la surprise. Regardez, eh oui, voyez, on vous montre quand c'est beau, mais quand c'est sale, on vous montre pas. Aujourd'hui, on va se motiver pour le ménage. Je sais pas si on fait que le salon et la cuisine, ou sinon aussi, je vais faire la salle de bain, la chambre des enfants qui est en état. La salle de bain n'est pas aussi sale que ça, quoique. Oh, voilà, il est un petit peu rangé, mais voilà. Sinon, c'est pas aussi sale que ça. Mais par contre, la chambre des enfants. Je vous dis pas. Je vous laisse regarder vous-même. Ils ont mis le bazar, mais c'est normal, c'est là où ils jouent. Voilà. C'est là où ils jouent, c'est normal, voilà. Il y a les vêtements, comme je vous dis, pendant l'hiver, je fais une semaine, les vêtements, ils sont là, ils sont pas secs, quoique ça, ils sont secs. On va les enlever, après on fera marcher la machine parce qu'il y a des habits dedans. Là, dans le lit, comme je vous dis, il y a aussi des habits non séchés, si, ils sont secs. Voilà, il faut qu'on se débarrasse de tout ça, plier et tout. Ça, c'est mes vêtements à moi, donc c'est qu'il y a plié, c'est pas à repasser. Et vous voyez par terre le jouet des enfants. Je vous laisse voir. Ah ben, c'est comme ça chez tout le monde, hein. Moi, je ne vais pas vous le cacher, hein. C'est comme ça. Tous les jours, je range et ils mettent par terre. C'est pour ça que il me faut ce petit meuble pour ranger le jouet parce que j'en peux plus. Je range, mais il sort de l'école et la crèche, il vient, il met tout par terre. Voilà, je vais tout ranger comme ça. Et voilà.
Ebanga bonje masa dunia madomdo kana mwana au kama na ino tamaya batina emae shakabana juana vo atishindia tishindia noni hunde mavuna. Wanavu atishinjia, tizishinjia, noni hunde mavuna. Tiraraya ni hutahe mwana, ntinapanga na tulinjia. Titihadi tika ukazana, minja parohi sata maya. Ti ubahara mwana, ti ubahara mwana, lakine hutitia. Leo ti ubahara mwana, ti ubahara mwana, lakine hutitia. Kavabo nidohuona, nidohuona, mweje waniwalia. Kavabo nidohuona, nidohuona, mweje waniwalia. Oke hindu bo mwana, oke hindu bo mwana, na miwe ni milia. Njasaza bo mwana, zijazo naombea. Yuwa njasaza bo mwana, njasaza bo mwana, zijazo naombea.
Du salon et de la cuisine. Voilà la cuisine. Tu t'es bien fait, tu t'es rangé, tout ce qui est comme il faut. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a fait que le salon et la cuisine parce que là, c'est beaucoup trop. La partie qui reste, c'est-à-dire la chambre des enfants, ça sera pour une prochaine vidéo. Soit je vais l'intégrer sur un vlog, soit je fais une vidéo ménage. Mais en tout cas, voilà notre journée d'aujourd'hui. C'est pas mal. On a fait ce qu'on peut. Mais vous allez voir, dès que les enfants rentrent de là, tout va être par terre. Ah, je vous dis pas, vous savez. Hein? Vous savez déjà, les enfants, c'est quelque chose d'énorme. On adore les enfants, mais voilà. J'ai changé le rideau. J'ai mis des rideaux un peu épais parce qu'il fait froid. J'ai changé la housse de canapé, comme vous avez vu. Parce que ma fille, elle avait monté dans les avec le chaussure qu'elle avait mis dehors. Et la housse de canapé n'était pas propre.
Du coup, j'ai le changé. Voilà, on a tout fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a motivé à faire vos ménages chez vous, parce que c'est pas évident quand on est maman, le ménage, et ça, des fois, ça déborde et que c'est pas quoi faire et on se trouve avec un appartement sale. Et c'est pas qu'on est sale, mais on a trop de trucs à gérer. Et que voilà. Et j'espère que cette petite vidéo vous a motivé à ranger, à faire le ménage. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Inch'Allah. À très, très, très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Inch'Allah. À très bientôt. Bisous.